Hello les amis, bienvenue sur Niamboum et c'est parti pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Une heure de repos, je vais commencer mon barbecue. Donc voilà, maintenant je vais mettre de l'aluminium par-dessus et surtout que je vais baisser un peu le feu là. Voilà. Je vais bien surveiller pour que ça puisse pas se craber. Voilà, donc je referme pour vous montrer vraiment j'ai baissé le barbecue là pour que ça puisse pas trop cramer mes morceaux de poulet, mais ça crame quand même. On verra à la fin. On vient surveiller la progression. Voilà. Donc ce que je vois là. Mes poulets sont bien cuits à l'intérieur. Maintenant, je pense que je vais augmenter un peu. Parce que vraiment, regarde, j'ai mis au plus bas. Attends, je vais tourner. Je ne sais pas comment vous filmez ça. Je ne l'ai pas mis au max. Je l'ai mis là pour que mes poulets ne se crament pas. Donc c'est ça. Donc je pense que c'est cuit à l'intérieur. Maintenant je vais augmenter pour que l'extérieur puisse être un peu cramé. Un peu. Pas beaucoup. J'aime pas quand c'est cramé et que c'est amer. Ouais, c'est beau ça. Regardez-moi. En tout cas, faut prendre l'odeur. L'odeur et le goût, j'ai goûté un petit morceau là, c'est vraiment, c'est bon. Du coup maintenant je vais augmenter un peu la température et je ne couvre plus parce que à l'intérieur c'est cuit. J'aime pas quand c'est saignant, j'aime quand c'est bien cuit à l'intérieur. C'est bien cuit. Donc là je vais laisser l'extérieur se cramer un peu, un petit peu. Je mets un petit peu la sauce de mon assaisonnement là sur ma viande. Même si c'est bien assaisonné. Voilà. Je vais tous les retourner encore une fois après. C'est bon. Parce que là, c'est bien cuit à l'intérieur. Et ça sent le barbecue. C'est top. Je tourne juste. Ah, pardon. Vous voyez, c'est tellement bien que je vais tourner juste là où j'ai mis la sauce. Et après, c'est bon. C'est fini. C'est prêt. Voilà. Donc voilà, voilà pour la recette de barbecue, comment je fais mon barbecue avec un barbecue électrique. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la recette, likez, partagez, abonnez-vous et essayez la recette et essayez de faire votre barbecue en couvrant avec du papier aluminium pour que ça puisse cuire à l'intérieur et que ça soit pas trop cramé à l'extérieur. Ça, c'est ce que je fais.
et ça marche très bien. Et c'est comme ça que je peux manger du barbecue là où j'habite maintenant. Donc voilà. Donc je reviens vers vous. Voici comment j'ai présenté la recette. Comment j'ai présenté mon poulet au barbecue que je vais manger avec du riz, piment, piment coupé et accompagné de petits pois et saucisses. Je vous montre l'intérieur du poulet pour vous montrer que c'est bien cuit. Voilà, regardez. C'est extrêmement bien cuit et c'est pas sec. Voilà. Donc vraiment, les personnes qui avaient peur du cuir électrique et qui n'ont pas la possibilité de faire du barbecue chez eux comme moi. Donc vraiment, achetez un barbecue électrique, ça peut vous aider. Regardez-moi ça. En tout cas, essayez la recette, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao! Toutes les informations des recettes sont toujours sous la barre d'informations.